Dans le quartier de Cocry-au-Ville au Havre pour ce 7e tour de Coupe de France. Le petit poucet normand recevait la F Vire qui joue deux divisions au-dessus. Après une première mi-temps équilibrée, les joueurs du Calvados ont assumé leur supériorité hiérarchique avec une victoire sans appel 4-0. Pour Cocry-au-Ville, ce parcours fut beau et intense. Et pour Vire, le rêve continue avec la réception du Stade Malherbe de Caen au prochain tour. C'est la première fois qu'on va jouer une équipe professionnelle, donc quelle chance de pouvoir participer à ça. Donc on va préparer ça sereinement et puis on va essayer de faire quelque chose de beau. Et là, ce sont les Virois qui joueront le beau rôle du petit poussé face au gros. Ok, mais il n'en reste plus beaucoup. Les sponsors. Volcan, la fête tourne au fiasco. Le match du 8e tour de Coupe de France entre Vire et Caen n'aura pas lieu demain. Ce midi, la Fédération française a annoncé le report de la rencontre au tout dernier moment pour des raisons de sécurité autour d'une tribune provisoire, d'abord autorisée puis annulée. À Vire, où l'engouement était grand, les supporters sont déçus et ne cachent pas leur colère. Voyez ce reportage signé Boris Le Tondeur et Thomas Tavitian. C'est la tribune de la discorde. 610 places assises spécialement installées pour la grande affiche de ce week-end en Coupe de France entre Vire et le SM Caen. Un aménagement temporaire d'abord autorisé par la fédération avant d'être interdit ce jeudi. On ne l'a jamais caché l'existence de cette tribune. Tout le monde le sait depuis 10 jours. Mais à 36 heures de l'événement, la fédération s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas parce que le règlement de la Coupe de France stipule qu'une fois le tirage au sort passé, on ne peut plus décider d'installer une tribune provisoire. On peut le décréter avant le tirage au sort, ça semble paradoxal, mais c'est la réalité, mais pas une fois que le tirage au sort a été effectué. 3500 spectateurs avaient acheté des billets pour ce match. À la veille de sa tenue, impossible pour le club de se réorganiser. La rencontre est donc reportée. Un gâchis sportif, le cœur lourd, les bénévoles s'affairent pour démonter ce qu'ils ont passé toute la semaine à installer.
Du côté des joueurs, la déception est grande, évidemment, même si le match est reporté au 17 décembre. On termine cette édition avec cette image, celle d'un but magnifique ce week-end. Un but qui n'a pas été marqué devant des millions de téléspectateurs lors du Mondial au Qatar. Non, il a été marqué sur la pelouse du stade de Cherbourg en Cotentin. Il est signé Dorian Charlier, joueur de Vire. Il s'agit d'un remarquable lob tiré du milieu de terrain, vous l'avez vu. De quoi mettre en appétit pour le match de Coupe de France en retard, Vire-Caen le 17 décembre. Parfait, super. La décision est tombée hier soir après avoir été reportée à deux reprises. Le match de Coupe de France de football entre Vire et Caen se jouera finalement demain à 20h au stade d'Ornano. Après des problèmes de tribunes et de terrain gelé samedi dernier, la malédiction devrait prendre fin demain soir. De nouveaux billets ont été mis en vente. Reportage à Vire de Simon Lepape et Thierry Cléon. Après une saga d'un mois, on inverse maintenant l'équipe visiteur. Corner, on a dit, allez, jouez ! Joueur et également éducateur auprès des jeunes du club, Dorian se projette enfin. Allez, jouez ! Allez ! Car passé la déception de ne pas vivre cette Coupe de France à domicile, les pensionnaires de National 3, l'équivalent de la 5e division, préfèrent maintenant y voir du positif. Ouais, c'est vrai qu'on est triste par rapport à tous les gens qui se sont investis ici, que ce soit la première et la deuxième fois. Mais après, sportivement, c'est quand même une opportunité énorme dans la carrière d'un joueur de jouer dans un tel stade, contre une belle équipe. Fouler la pelouse d'un stade pro, profiter de cette chance qui ne se présentera peut-être qu'une seule fois dans une carrière, une rencontre aussi plus compliquée à aborder, loin de ses repères, loin de ses habitudes, mais pour le capitaine de l'équipe, Vire répondra à cet énième défi. C'est là-dessus où le sport co va prendre tout son sens. Aujourd'hui, une personne qui sera peut-être un peu plus tétanisée, ça sera à nous aussi de l'accompagner. Et puis, il y a une personne aussi qui va être euphorique parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de jouer sous pression. Ça va être, comme je l'ai dit, sportivement, collectivement, on va être vraiment un groupe uni. Et puis, ça va nous emmener à peut-être un autre succès. Une belle fête côté joueur, mais une décision qui reste dure à digérer pour le club. Ça me fait pas rire, moi, les gars. Je vous assure, ça me fait pas rire, vos conneries. Là. Car voilà le défi qui attend les dirigeants, organiser ce match à l'extérieur en moins de 48 heures. On a reçu un nombre incalculable de messages et ça nous a fait très très chaud au cœur. Et aujourd'hui encore, c'est tout ça, cette vague de soutien qui nous aide effectivement à oublier un petit peu la fatigue, la pression pour organiser en un temps record cet événement. Et on compte évidemment sur cette solidarité. En fait, on a envie de se dire, allez tous à Dornano, mercredi soir, venez participer à ce qui doit rester une fête du football. Les billets sont en vente à Vire et demain après-midi à Dornano. Coup d'envoi à 20h. C'est important. C'est copie presque parfaite. Le bon appel de Godson Kereme qui va se retrouver seul face à Berthaume et qui va inscrire le troisième but et qui va définitivement envoyer le Stade Malherbe à la Beaujoire en 32e de finale lors du week-end du 6, du 7 et du 8 janvier. Godson Kereme qui met un terme au rêve de la F Virois. Et c'est terminé. Monsieur Leleu qui siffle les trois coups pour mettre un terme à cette bonne série de la F Virois qui ne se sera pas imposée face au grand frère du Stade Malherbe. Bonjour à tous les supporters virois. J'espère que vous avez été sages durant toute l'année. Comme vous êtes un club admirable, j'ai un petit cadeau pour vous. Nous avons décidé de vous faire jouer le prochain tour de Coupe de France face au FC Nantes. Voilà, j'espère que ce cadeau va vous ravir, que vous serez présents samedi 7 janvier à 18h pour encourager nos virois. Allez là, virois! Hier soir, un petit crachin bien normand sur le bocage pour l'entraînement des joueurs de l'AF Virois avant leur match de 32e de finale de la Coupe de France
Samedi, ce sera contre le FC Nantes. Nous retrouverons dans un instant le président du club, Christophe Lécuyer. Mais avant cela, voyons un peu comment s'est déroulé cet entraînement avec des joueurs décomplexés, sans pression et très gourmands également. Le match, lui, passionne toute la ville. Exemple, au derby, c'est le bar des supporters à Villiers. Pierre-Marie Puyot avec Carole Lefrançois. Qui aurait misé sur une telle affiche? Les parieurs les plus avertis n'en reviennent toujours pas. Vire va bien affronter le FC Nantes. Cette année, la Coupe de France joue quand même de drôles de tours. C'est beau ces billets-là, quand vous voyez Vire Nantes. Ah bah c'est des billets collector, il faut les garder en souvenir. Pour moi, Vire Nantes, c'est magique. Il y a un peu ce piment-là qu'on nous a mis dans cette Coupe de France cette année, voilà, donc c'est magique. Les joueurs eux-mêmes se pincent encore pour y croire. Sur le terrain, ils avaient été éliminés par le Stade Malherbe de Caen. Le résultat a finalement été inversé à la surprise générale pour une sombre histoire de joueurs suspendus. Et les Virois sont toujours là. Pour nous, c'était fini, donc là, c'est vraiment du bonus. Et en plus, jouer le FC Nantes, quoi de mieux, quoi. C'est extraordinaire. C'est vraiment un scénario improbable. Je ne sais même pas si ça a déjà existé, mais en tout cas, c'est... Voilà, on finit avec des émotions hyper positives, donc c'est l'essentiel. Pas de miracle pour les amateurs virois. En 32e de finale de la Coupe de France, ils se sont inclinés, logiquement, 2-0 face aux tenants du titre nantais, hier soir au Stade d'Ornano. Florent Turpin et Stéphanie Lemaire vous font vivre les coulisses de ce match si particulier. C'est peut-être le match le plus important dans leur carrière de footballeurs amateurs. Alors hier soir, à quelques minutes du coup d'envoi, la tension monte dans le vestiaire virois. Chacun sait ce qu'il doit faire, les mecs. Je vous fous, faites-vous plaisir, emmenez les gens, les mecs. Ok, allez, bon match, allez, allez. Pour ce 32e de finale, Vire, petit club amateur de 5e division, va donc affronter le FC Nantes, 4 fois vainqueur de la compétition, au stade d'Ornano de Caen. On est venu une demi-heure encore plus vite pour vraiment profiter de l'enceinte, des lieux, de la pelouse. Donc, non, c'est magnifique, on se rend compte qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. Sur le terrain, 4 divisions séparent les deux équipes et logiquement c'est Nantes qui domine la première mi-temps. Mais grâce à son jeune gardien de 19 ans, Kenny Berthaume, Vire résiste avant de craquer à la 28e minute sur cette nouvelle occasion nantaise. Surpuissant, guessant le centre, ça va faire 1-0, ça fait 1-0. À la pause, le FC Nantes mène logiquement 1-0. On voulait rentrer au moins à 0-0 à la mi-temps pour avoir de l'espoir en deuxième. Malheureusement, on encaisse ce but, c'est sûr qu'après c'est compliqué contre une telle équipe. En seconde période, la mission devient presque impossible pour les Virois. Il est parti, il est lancé, Van Guessant, surpuissant, beaucoup trop puissant. À la 55e minute, Guessant double la mise pour les Nantais. La marche était trop haute pour le petit club calvadosien, mais la fierté est immense pour Christophe Lécuyer, son président. Heureux d'avoir réuni plus de 10 000 personnes pour un match de foot. C'est une vraie fierté, ouais, vraiment. On te sent ému. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un jardin pour moi ici d'Ornano. Donc y être pour voir mon équipe jouer, évidemment, c'est la consécration de 8 années de travail. Score final 2-0. Vire sort de cette Coupe de France avec fierté et sous une ovation. Un tour d'honneur pour saluer le parcours historique du petit club normand.
Bravo, Bill, lâchez-toi, on fait match nul, 0-0.